Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur la Tomb Raider Shadow of the Tomb Raider. Oula, je perdais le fil. Ok. Donc on en était ici. On avait chuté plusieurs fois. Donc on va essayer. Oh là là. Ok. D'y arriver hein, cette fois, ce serait pas mal. Voilà, on s'était pris ça. Hop là. Ok, il fallait aller vite en fait. On s'était pris ça la dernière fois. Si je ne m'abuse. Non, je peux sauter ouais, comme ça. Pour aller plus vite. Truc de bourrin. Ok. Bon, alors là, on va pouvoir ouvrir ça. Là, il y a une espèce d'idole en or. Qu'on peut observer. Oh! Oh oh. Bon, cherchons la sortie. Perchoir de l'aigle. Améliore vos compétences d'escalade en vous permettant de traverser l'environnement plus rapidement. Tombeau terminé. Ah d'accord, j'ai débloqué une compétence. Il y a des trucs fermés. Il y a sûrement des trucs cachés là. Non. Plus que ça. Ok. Et là, ça, on en fait quoi? Je peux pas tirer dessus là? Si. Voilà. Oh, de l'or. Fantastique. Allez, on pille les tombeaux. On a trouvé un tombeau AK, on le pille. À moi l'or. À moi la richesse. 12 d'or, hein. Je sais pas, pour le moment je sais pas trop à quoi ça va me servir, on verra plus tard. Mais en tout cas, j'en ramasse. Hop. Hop, allez, hop là. Hop là. C'est toujours très très joli. Hein. J'aime beaucoup cette forêt. Ok. Le piolet grappin. Lancez le piolet grappin avec eux pendant un saut. Ah oui, c'est vrai. Wouah! Wouah! Wouhou! Yes! C'était cool. On commence. Alors là, clac, ch'tac. On descend avec la corde. Ouais, tyrolienne! Zoom! Ok, donc on se casse d'ici maintenant, on va essayer de trouver la suite. C'est quoi la touche pour la carte? Ok. Ah tiens, il y avait un truc là. Feu de camp. Ok, il y avait un feu de camp là. Rien de très intéressant. Un tombeau, oui, donc là on va en sortir. Si c'est bien celui-ci. Je peux descendre là? Ouais. Wow. Ok, là c'est ça. Tchouk, 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 tchouk. Voilà. Ta-da-ta-tam. Allez. Comment on fait déjà? Ah oui, c'est vrai. On était passé là-dessous. Quelle idée. De se faufiler là-dessous. Hein. Hop là. Allez, très bien. Maintenant, il faut qu'on aille là-bas. Allons-y. T'as trouvé quelque chose? Encore un hôtel Maya et puis... Et puis quoi? Un vieux campement. En ruine. On devrait continuer. Ok. Il y a une boîte là, j'avais pas vu. Pièce de pistolet. Je ne sais pas à quelle arme elles étaient fixées, mais elles ont rouillé avec l'humidité de la jungle. Il y a une inscription, mais elle n'est pas très lisible. PH Fawcett, lieutenant-colonel. Là, il y a marqué quoi? Be damned. Difficulties be damned. Ok. Il y a un truc à trouver. Je ne sais pas ce que c'est.
Persifo 7. Bah oui. Mais nous sommes pourtant à des milliers de kilomètres de sa dernière position connue. Eh ben, peut-être pas. Peut-être pas. Ok, est-ce que j'ai des trucs à débloquer là-dedans? Compétences, j'ai combien de points de compétences? 2 points. 2 points. Donc là, on sait pas. Comment on saura qu'on est de nouveau sur la bonne voie pour trouver la cité perdue? Des ruines mayas, ça se remarque, tu crois pas? Ouais. Ah oui, tiens, je pourrais prendre ça, comme ça je pourrais améliorer mon arme encore. C'est pas bête ça. Hop. Normalement, là. Mon arc, c'est lequel? C'est celui-ci. Là, je vais pouvoir faire ça. Clac, et voilà. Tout ça, là, il est amélioré au max. Et je pense que c'est le mieux. J'ai pas besoin de maintenir longtemps, machin, tout ça, ok. Je pense qu'il est bien, mon arc. Hop. Donc là, on n'a toujours pas retrouvé d'armes, en fait. Hein. On est toujours avec notre arc. C'est pas mal aussi, hein. Ça change. Dans les précédents, je crois qu'on avait rapidement des armes. Un cadavre. On va le dépecer. Là, il y a des fleurs, je crois. C'est quoi, c'est A pour faire le truc? Ouais, voilà. J'ai pas assez de place pour ça. Plein. Bon, moi, on avance, hein. Allons-y. Je crois qu'on peut partir par là. On dirait bien, ouais. Allez, j'ai besoin de toi, là. Jonah, donne-moi un coup de main. Dépêche-toi, ouais. L'ami. À 3, 2, 1... Ah oui. Oh. Oh. Ça pique, ça. Vas-y. Oh. Ok. Vas-y, qu'est-ce que t'attends? Bah, t'aurais dû lui tirer dessus, guignol. Oh, elle s'est fait bouffer, quoi. Touf, dans la bouche. Ouah. Vas-y, il continue d'être là, lui. Wow. Ok, les QTE. Ah merde, c'était pas ça, si. Si, c'est ça. Ouf, allez va-t'en. C'était le... Oh oui. Bim. Il veut se venger, c'est ça? C'était lui. Vu la taille des griffes, à mon avis, elle a pris chez Rose. Enfin, en vrai, elle aurait pris chez Rose. Heureusement que c'est un jeu vidéo. Ouais, ouais, je suis là, tout va bien. Je vais niquer sa gueule. Je veux bien que tu m'aides. Je l'ai défoncé. Ton dos est salement amoché. On y voit pas. Ah, j'ai changé de tenue, j'aurais peut-être pas dû. Peut-être qu'avec la tenue de base, on aurait vu le truc, quoi. Je sais pas. Je ne sais pas, c'est dommage ça. Laisse-moi jeter un coup d'œil. C'est pas joli. Ah oui. Tu sais, avec tout ce qu'on traverse en ce moment, je pense à mon frère. Petit problème avec ce genre de jeu. Qui te permettent de changer de skin. J'ai toujours essayé de le protéger. Mais dans les cutscenes, ça fait pas de terrible. Père, de lui-même.
mais je l'ai perdu. T'as fait ce que t'as pu. Si j'avais été au bon endroit, au bon moment, il serait encore là. Si j'avais eu des yeux derrière la tête. Tu peux pas protéger tout le monde. Merci. Il me manque. Je sais. Mes parents, ils me manquent tellement. J'ai rêvé de ma mère il n'y a pas longtemps. Ah oui? C'était tellement réaliste. Quand j'étais petite, mon père n'arrêtait pas de me cacher des choses. Des secrets. Sur elle, notamment. Pourquoi il faisait ça? Après la mort de ma mère, il a cherché à m'épargner. Ça m'a jamais empêchée d'être curieuse, bien sûr. Ouais. J'ai encore tellement de questions. Ton père a créé autant de mystères qu'il en a résolu. Dominguez a dit qu'il voulait utiliser la boîte d'argent d'Ischel pour refaire le monde. Si toi, tu avais ce pouvoir, tu en ferais quoi? Je paniquerais déjà. Tu reviendrais pas à l'époque où ton frère était vivant pour le retrouver? Et perdre tout le reste. Non, non. J'aime bien ce monde, c'est... Il n'est pas parfait. Mais tout ce à quoi je tiens, maintenant, s'y trouve. C'est beau. Elle fait quoi? Elle est en train de se tricoter un... Comment on appelle ça? Une cape en peau de guépard. Pour prétendre au trésor, l'aventurière Lara Croft doit triompher du roi, atteindre la tombe interdite et résoudre le mystère de la reine blanche. Mais la route sera semée d'embûches. Lara, ça avance tes exercices de maths? Le manoir Croft. La ne doit pas traîner une seconde. J'ai presque fini. Le manoir Croft. Les murailles du château l'appellent tentatrice. Notre Alors là... Une croise d'étranges créatures. Elles sont peut-être sanguinaires. Oh, une épée. Reine blanche, petite pièce. On dirait une des pièces de ce jeu auquel jouaient mes parents. Mais pourquoi serait-elle ici? Sur le terrain de jeu, il y a un A gravé dessous. A comme Amelia, ma mère. Alors oui, comme je disais, pour ceux qui n'ont pas fait les précédents jeux, enfin surtout les vieux, hein, Tomb Raider 1, 2 et 3, particulièrement. Je sais pas si dans le 1 il y avait déjà le manoir Croft, si je crois bien. Donc il y avait déjà ce manoir, on pouvait faire une partie dedans avec pareil, un espèce de terrain d'entraînement dans le même style. Notre aventurière pourrait viser entre les yeux d'une mouche à 100 pas. D'une précision mortelle la plupart du temps. Donc ça me rappelle un peu. Oh. Projectile. On peut faire ça.
Pouf. Dans le mille, toucher les cibles avec la balle. Ok. Facile. Hop. Une là. Et la dernière, elle est où? 1, 2, 3. Elle est où la dernière cible? Elle est où la dernière cible? Ah, elle est forcément par là. Ils sont malins, ils vont l'avoir planqué, je sais pas où. Là-bas en haut. C'est ça. Oui, c'est ça. Paf, et voilà, défi réussi. Un point de compétence. Yeah. Trouver un feu de camp, ça va être compliqué là. Il y a du thé. Voilà, je pense qu'il faut s'amuser à explorer tout. Hein. Incroyable. Wow. Croft pénètre dans une chambre funéraire, inviolée depuis plus de 1000 ans. Quel, il y a un toboggan. Ah, il y a encore un espèce de poids. On peut pas monter, ok. Il y a encore une espèce de... de balle. Je peux pas défoncer les oiseaux, non. Oh merde, la balle s'est barrée. Des tombes récentes. Le roi n'est pas tendre avec les intrus. Attendez, remontez là-bas quand même. Il y a une autre balle encore. Un dessin. Il révélera bientôt tous les secrets du site. Elle découvre d'étranges hiéroglyphes. Peut-être un indice pour la tombe interdite. Là, il y a encore ces espèces de balles. Là, il y a encore des trucs. La reine blanche est enfermée. Mais personne ne l'oublie. Ok. Est-ce qu'on peut pas tuer un lapin? C'est pas... Il y a pas des lapins qui se baladaient là? Il est où le gros lapin? Lapin, lapin! Raté. Il est où le lapin? Sinon il sert à quoi le lapin? Il est là. Non, il s'est barré. Voilà. Oh, preux chevalier, victime de la malédiction du roi, condamné à rester pétrifié et prévenir des dangers de la tombe interdite. Ok, donc là on peut aller là-bas. Bon là c'est plutôt une aire de jeu hein. Dans les autres Tomb Raider c'est plutôt un espèce de truc avec des défis. On dirait qu'il y a quelque chose là-haut dans le nid du corbeau. Ouais, je peux pas le faire tomber. Je dois faire mieux que ça. Ouais. Super bateau. Putain, j'aurais bien aimé avoir une aire de jeu comme ça quand j'étais gosse moi. Ok, donc en fait il faut aller chercher les balles pour faire tomber le coffre. Le sol se dérobe. Lara plonge dans les ténèbres. Oh, dans les ténèbres. Attention. Bon, où c'est qu'il y a d'autres balles là-bas? C'est pas des balles, c'est des poids plutôt. D'ailleurs, elle a l'air vraiment costaud, hein, parce que porter un espèce de poids comme ça. Lara s'envole au-dessus d'un lac de lave en fusion. Ouf, de la lave en fusion, carrément. Ok, alors pour descendre, c'est ça. Du coup, on va aller chercher quand même notre espèce de balle poids, là. Hop. Donne-moi ça. Oh non, on peut pas le port. Alors, attends. Hop, on récupère. On passe par là, alors. Ah, il y avait un truc là-dedans. Allez. Lettre du père Winston. J'ai beaucoup réfléchi à tout cela. Et je reste convaincu que
que nous devons épargner cette terrible douleur à Lara. Qu'elle pense constamment à sa mère ne sera que plus pénible pour elle. Il vaut mieux pour elle qu'elle vive son enfance avec insouciance, sans être tourmentée par des pensées si sombres. Je vous prierai par ailleurs de renoncer à votre croisade, car je n'aurai aucun scrupule à vous renvoyer du manoir Croft. Ok. Winston, pour... pareil, dans les... dans le... je crois, je sais plus, c'était peut-être bien dans le 1 déjà. Mais il me semble plutôt que c'était dans le 3, moi. Quand on allait dans le manoir Croft, justement, il nous suivait de partout. Quoi, c'est pas ça qu'il faut... Ah oui, d'accord. L'épreuve de vérité. Notre héroïne devra viser dans le mille pour faire descendre ce panier. Oui, mais allez. Redonne-le-moi. Laisse-moi le prendre. Il faut juste aller en chercher un autre. Donc, je disais, on pouvait le... Il nous suivait de partout, en fait, dans le manoir, avec son petit plateau. Il avait un espèce de petit plateau avec des verres dessus, je crois, enfin, je sais plus quoi. L'aventurière ne doit et on pouvait l'enfermer, je crois, dans la chambre froide, il me semble. De mémoire. Ok, il fallait juste y mettre dessus, en fait. Voilà. Voilà, trop fort. Le trésor apparaît. Je crois que c'est quand on a fait de la randonnée à elle-même, chat. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs, si ce n'est l'odeur des épices au bazar. Mes parents ont l'air tellement heureux. Mmh. Les informations cachées. Quelles informations cachées? Derrière, rien du tout. Qu'est-ce qu'il faut trouver? Surtout qu'on peut juste pivoter, donc c'est une photo quoi. C'est soit tu regardes devant, soit tu regardes derrière. Allô? J'ai pas compris. Oui, merci. Il faut mettre le doigt quelque part, non? Examiner pour trouver des informations cachées. Ouais. Ok. C'est pas juste. Ah bon? Pourquoi est-ce qu'elle est morte si jeune? Ok, voilà. Enfin bon, bref. Bref, donc là on a tout trouvé, je pense. Hop, on va essayer d'aller par là-bas, il y a une espèce de fontaine. Il est grand ce manoir. Hein. Oh, le lapin! Le lapin! La lettre de Winston. Monsieur, je sais combien ces dernières années ont été douloureuses pour vous. Amelia nous manque à tous terriblement. Pourtant, je crains que Lara ne commence à oublier le peu de souvenirs qu'elle avait de sa mère. C'est tragique. Je suis bien conscient que tout ceci ne me regarde pas, mais avez-vous envisagé de lui parler d'Amelia? Il me semble que cela pourrait vous aider à surmonter votre immense tristesse et que cela vous rapprocherait de votre fille. Mmh. Ouais. Faut aller dans l'eau? Oui. J'ai mouillé tous mes pieds. Ah mince, je pensais qu'on pourrait l'ouvrir ce coffre. Même pas. Ah, on va aller chasser les lapins. Alors... Les portes du château sont bien gardées. C'est pour ça que notre héroïne évite la porte d'entrée. Mmh. On passe par où alors? Lapin! Je vais t'attraper, lapin! Zut! Y'a pas un lapin là? Alors, bon, tant pis, on continue. Y'a quoi là? Rien d'intéressant. Y'a des tasses qui traînent, tranquille. Winston, viens faire ton travail s'il te plaît. Bon, est-ce qu'on peut rentrer là? Non? Non? On ne peut pas? Non?
On ne peut pas. Faut aller où alors? Pouf. Ok. Pouf. Ah, je vais pouvoir grimper là. Maintenant. Yes. En route pour la tombe interdite. Ah oui, j'avais pas vu, c'est pas en blanc. Notre héroïne ne doit pas faire de bruit pour ne pas alerter le roi. Regardez, c'est par là qu'il faut aller. Le roi. C'est son papa, c'est ça le roi. Mais quel est le rapport avec Lara? Elle est dans sa chambre, elle fait ses devoirs. Elle n'a pas beaucoup de temps. La garde royale ne s'attendra pas à ce que Croft escalade le château. Tu m'étonnes. Winston, il va se faire engueuler. Hein. Putain, elle a pas peur la gamine, en vrai. La tour du château est plus haute qu'attendue. Tu m'étonnes, on est déjà au moins 15 ou 20 mètres de haut là. Ouais, vas-y, en plus tu te pètes la gueule presque. Notre héroïne continue son ascension pour trouver une entrée. Oh là. Je le sens mal là. Notre héroïne remarque une autre entrée. Allez, Korbach. Dégage là. Allez, dégagez. Ouais. Tout va bien. Il y a une gamine sur un toit, tout va bien. La jeune Lara risque une chute mortelle en avançant. Mais elle fait le vide dans son esprit. Oh. Ok. Mais il y a le panneau électrique qui a l'air hyper dangereux. Oula. Ok. Tout va bien. Ça a dû faire un boucan du diable, ça. Mais tout va bien. On y est presque. Personne n'a rien entendu. Wow. Mais il est tout défoncé ce château. Elle reprend l'équilibre et sa progression. Direction la tombe interdite. Mm-hmm. Les parapets sont endommagés. Elle va devoir se faufiler. Wow. Comme j'aimerais tellement avoir une maison. Pas forcément grande, si immense, proche, mais un truc presque la toucher. Dans ce style-là, là, un champ de force à l'ancienne. L'empêche d'avancer. Elle doit trouver une autre entrée. Vers chez moi, il y a plein de vieilles baraques dans ce style qui sont en train de tomber en ruine. Ça fait un peu mal au cœur. Bon, c'est pas si grand que ça, hein, mais... Entrer dans la tombe interdite. Oula. Au-dessus de la verrière, là. Ok. Enfin, elle trouve un moyen d'entrer un peu plus bas. Elle doit rester sur ses gardes. Oui, c'est ouvert. Normal. Ouais, elle va pas glisser, là, parce que... La cocotte, tu tombes tout en bas. Encore. Ouais. Oh merde, c'est le mot merde. Ah bah dis donc. Ils sont pas costauds les... Les chenaux. Hein. Oh là là. Tout va bien. Elle est tout près maintenant. Ouais. Elle a quand même failli y passer, mais bon. Tout va bien. Oh Winston. T'étais censé t'occuper de moi là, hein. Bon, attendez, on peut aller là, mais est-ce qu'on peut aller là-bas? Il y a d'autres trucs à faire, peut-être. Toujours aller voir le reste. Ouais, il y a une fenêtre là. Non, on peut pas y aller. Bon. Allez, on va dans la porte alors.
là. Enfin, elle pénètre dans la tombe interdite. Wow. Wow. Carrément. Ah, un mécanisme au sol, avec l'espèce de soldat là. De nuit, la chauve-souris a volé la reine par 30 nord et 90 est. De sa plume, elle décrit son cœur. Et de la lumière jaillit son amour libéré. La reine blanche se sent peut-être seule. Une citation de Chaucer. Quoi de mieux que la sagesse? La femme. Quoi de mieux qu'une femme? L'artefact, le mystère de la reine blanche. Cette illustration énigmatique, retrouvée dans un mausolée maudit et désert, pourrait être ce dont notre vaillante aventurière a besoin pour enfin retrouver le trésor perdu de la reine blanche. Plusieurs pièces alignées, ok. Ouais, ça on s'en souvient. Pleine okay. De bonté. Rien. Il y a un truc à faire avec ces bonhommes là. Avec ces espèces de soldats bizarres. Ah. Les coordonnées ont peut-être un rapport avec le globe. Ouais, sûrement. Eh ben, écoutez, ça fait une demi-heure là qu'on tourne, donc je vais m'arrêter là et on fera cette énigme la prochaine fois. Allez, donc bien voilà, je vous laisse devant cette magnifique toile et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour la suite de ce let's play. Allez, salut à tous, ciao.